Allez, c'est tout le monde, c'est Wolters, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, donc voilà. Je sais que ça doit faire la 20ème fois d'affilée que je fais une vidéo assez spéciale, mais bon, je ne sais pas ce que j'ai. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais vous présenter, oui, mon Discord, mon serveur Discord. Alors certains sont là en train de se demander c'est quoi Discord et tout. Je vais vous expliquer ça juste après, mais avant que la vidéo commence, quelques petites choses à vous dire. Premièrement, le gameplay est un gameplay sur Infinite Warfare, et oui. Bon, je précise que Infinite Warfare, j'y joue vraiment plus du tout. Ça doit faire quand même un bon petit moment que j'ai pas lancé le jeu, mais quand j'avais eu le jeu, franchement, j'ai pas mal joué, donc voilà. Le gameplay est un gameplay sur un map Genesis, qui est un remake de Strike Zone de Ghost, à la Vector. C'était un match à mort par équipe, voilà, je crois que j'étais accompagné de Nazer, donc voilà, petite dédicace à toi, Nazer. Et donc voilà, c'était pas prévu que ce soit un gameplay ou quoi, j'étais pas en train de tenter de faire un gameplay. J'étais juste là, posé, en train de jouer, normal, tranquille, en train d'essayer le jeu, parce que je crois que je venais à peine de l'avoir, enfin bref. Donc voilà, je précise qu'aujourd'hui, le jeu, j'y joue plus du tout, et que le gameplay a été réalisé il y a, je crois, à peu près 6 mois. Donc voilà, c'est pour ça que je joue encore sur mon compte DL7. Je précise qu'aujourd'hui, je ne suis plus DL7, je suis dans la vision sniping, enfin bref, donc voilà. Ensuite, soyez présents mardi 16 mai, à peu près vers entre midi et 3h, car une vidéo vraiment spéciale arrive, une vidéo assez longue. Elle risque de durer 3 quarts d'heure, 1 heure. Ça va être une vidéo découverte du remake de Kino Der Toten sur Black Ops 3. Et oui, avec le DLC 5 qui est sorti, enfin qui va sortir, je me suis senti obligé de faire une vidéo sur Kino Der Toten, étant donné que c'est la map vraiment auquel j'ai le plus joué de ce DLC et l'une des maps auxquelles j'ai le plus joué de toutes les maps zombies de Call of Duty. Mais enfin bref, je dirai tout ça dans la vidéo en elle-même. Je risque de tourner la vidéo assez tôt le matin, genre risque de la tourner vers 7-8 heures. Si jamais je veux vraiment faire le rendu et l'upload à temps. Étant donné que le soir même, je pars en Italie, hein, sur les coups de 21h, 22h. Donc voilà, c'est pour ça que je risque de ne pas être actif sur les réseaux sociaux pendant la semaine prochaine. Mais à part s'il y a de la wifi dans l'hôtel, donc voilà, Inch'Allah. Bref, vous verrez tout ça sur mon Twitter, que vous invite vraiment à follow, qui est en description. Enfin bref, donc voilà. La vidéo arrivera, comme je l'ai dit, normalement sur les coups de midi, entre midi et 3h, c'est selon le rendu et l'upload, qui risque de prendre plusieurs heures, étant donné que je n'ai pas un ordinateur de fou et une connexion de fou. Enfin bref, donc voilà, j'espère vraiment que vous serez présents, même si je sais que la majorité sont en cours. Voilà, maintenant que j'ai fait un peu la pub pour cette vidéo, on peut passer au sujet de la vidéo. Alors, comme je l'ai dit précédemment, certains doivent se demander, ouais, c'est quoi Discord? Alors, en fait, Discord, c'est un peu comme TeamSpeak, avec le système des chats, des salons, tout ça, où on peut parler. Mais c'est en mieux. Enfin, du moins, je trouve vraiment que c'est mieux. C'est mon avis personnel. Après, peut-être que vous n'aurez pas la même avis que moi. Mais vraiment, je trouve que Discord est largement mieux que TeamSpeak. Parce que déjà, premièrement, TeamSpeak, pour créer un serveur, je crois que s'il ne dit pas de conneries, c'est payant. Alors que sur Discord, c'est gratuit. Voilà, on peut créer autant de serveurs qu'on veut gratuitement. Ensuite, j'ai pas vraiment plus d'arguments, mais bon, TeamSpeak, je me perds vraiment pas mal, même si j'y vais pratiquement jamais sur TeamSpeak. Je crois que la dernière fois que je suis allé sur TeamSpeak, ça remonte quand même, il y a pas mal de mois, je crois que ça doit faire 6 mois, bref. Et voilà, si jamais vous voulez vraiment, vous connaissez pas Discord et que vous voulez vraiment en apprendre plus sur Discord, que ce soit pour connaître comment on fait pour rejoindre un salon, tout ça, ou ne serait-ce quand même pour créer votre Discord, attendez, je vais le refaire. Ou pour créer votre Discord, voilà, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ou pour créer votre Discord, voilà, j'ai arrêté de me répéter. Je vous mettrai le lien d'une vidéo en description qui vous expliquera tout ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à rejoindre mon Discord si vous voulez vraiment me parler, tout ça. Voilà, je vais souvent dans les salons, vous pouvez m'envoyer un message, ouais, tu peux venir dans tel salon quoi, je viendrai avec plaisir, sauf si je suis fatigué. Bien évidemment, non plus, je vais pas me forcer à chaque fois à venir. Donc voilà. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas genre le salon, juste 3 salons où vous pouvez me parler. J'ai mis vraiment pas mal de salons, j'ai dû en mettre franchement une vingtaine. Vraiment, il y a genre 3 salons pour l'instant. Bon, pour l'instant, il n'y en a que 3, mais si je vois vraiment qu'il y en a de plus en plus de personnes qui rejoignent le Discord, j'en mettrai plus. Donc voilà, il y a des salons où on peut juste parler, il y a des salons musique où vous pouvez écouter la musique. Voilà, j'ai dans un salon textuel, voilà, si vous savez pas ce que c'est, vous saurez ce que c'est si vous regardez la vidéo normalement. J'ai mis la configuration des bots pour mettre la musique, tout ça. Mais n'allez vraiment, s'il vous plaît, que dans ces salons si vous voulez écouter la musique, pas dans d'autres salons. Donc voilà, et il y a un salon coupé où je rejoins, où je suis amis avec des amis, on peut parler. Il y a aussi des salons jeux. Bon, j'ai mis principalement Call of Duty, voilà, j'ai dû mettre en tout une dizaine de salons pour Call of Duty, voire même une quinzaine.
Mais j'ai mis aussi d'autres jeux comme Overwatch, Battlefield, tout ça. Comme ça, si jamais vous cherchez un Discord ou quoi, ou vous calez avec vos potes pour jouer en même temps que parler. Il y a celui-là, voilà, j'ai mis franchement pas mal de jeux, tout ça. Et j'ai mis aussi, il y a aussi un autre système, on va dire, autre, où il y a d'autres salons, où, si jamais c'est le tournage de vidéo avec telle ou telle personne, ou que je suis en stream, ou que vous êtes AFK, bref, voilà. Donc voilà, je vous invite vraiment à rejoindre mon Discord, voilà, si vous voulez vraiment me parler, tout ça. Je vous parlerai avec plaisir, et aussi, on pourra aussi se caler sur le Discord, où on pourra jouer en même temps et tout, en même temps de parler, tout ça. Si vous voulez m'ajouter au passage, mes PSN sont en description, voilà, n'hésitez pas à m'ajouter. J'ajoute vraiment tout le monde, et vraiment tout le monde, si vous voulez jouer avec moi, y a pas de problème, vraiment. Enfin bref, donc voilà, j'ai terminé de présenter mon Discord, et j'espère vraiment que vous le rejoindrez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'invitation est en description pour rejoindre le Discord, je crois que vous avez juste à cliquer sur le lien, et ça va vous mettre continuer vers le Discord, et ça va vous amener directement sur mon serveur Discord, donc voilà. J'espère que vous viendrez nombreux. Encore merci à toutes les personnes qui me suivent, on est de plus en plus sur la chaîne et ça me fait super plaisir. Et donc voilà, sur ce, moi je vous laisse, c'était Walter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, allez, bye!